You know the business, angst Asians, young Middleton, the Hennessy sipper, firstborn the great. So what's the deal? It's West Coast shit, once again, Crown City, that urban liquor shit, Pastor D. I got one thing on my mind, nothing but my grind. Cause it's real, boy you know the deal. Entre Shinjuku et Shibuya, je vous emmène dans un autre endroit complètement underground, puisque c'est le sujet de l'émission, ça s'appelle Dog, et a priori, c'est assez underground. S'y attendez, hein. En même temps, quand on rentre, il y avait déjà des couleurs fluo. Et bien ici, c'est un parterre de couleurs et de diamants pour votre prochaine sortie à Paris. Alors pour une ambiance plutôt gold, on vous propose cette tenue. Ensuite, pour vos festivités nocturnes, toujours dans le compensé, vous avez différentes possibilités. Soit dans le fluo, fluo rose et noir, ou bien encore, je ne sais pas comment on fait pour marcher avec, mais en tout cas, c'est très visuel. Les stars du gothique viennent spécialement chez Dog pour trouver des petites tenues originales. Ça va sans dire, puisque vous trouvez des petits perfectos à poil. Là encore, on n'est pas dans le plus extrême. Mais vous en avez d'autres aussi qui pèsent à peu près 20 kilos, couverts de perles et de clous. Là, pour le coup, c'est plus difficile à porter. Alors, de la botte à fourrure ou bien toujours la basket avec, comme je vous l'ai déjà dit, la fameuse peluche, en l'occurrence le teddy bear, cette fois complètement fluorescent, sur une semelle compensée. Ici, vous pouvez trouver toutes sortes de baskets, les Jordan que l'on connaît particulièrement. À la seule différence, vous aurez toujours cette fameuse semelle compensée. Pas ultra jolie, pas très esthétique, mais en tout cas, c'est la mode ici.